Bonsoir, moi c'est Moïse Danon. Je suis Ivoirien. Je suis Gabon. C'est une ethnie qu'on retrouve pratiquement à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bon, je vais vous parler cet après-midi d'un projet. Bon, de ma vie, mais d'abord, avant de parler du projet de ma vie, d'abord, c'est un jeune. Bon, j'ai fait des études. À un certain moment, la cherté de la vie a fait que je me suis lancé dans certains trucs. Aujourd'hui, je me retrouve comme on a l'habitude de dire vigile, et je perçois comme salaire 60 000 francs. Mais je vois que la vie est tellement dure, et au fur et à mesure que les années passent, nous avons les charges qui s'accumulent. Donc j'ai ainsi décidé d'économiser un peu d'argent et puis d'investir dans un projet, dans le projet de vente de riz, voilà, qui consiste à aller dans les villages et aller chercher le riz local, qu'on appelle, bon, on appelle ça en Côte d'Ivoire le riz local, le local. Est-ce que les femmes sèment directement sur le terrain, on va, et on achète en gros, en kilo, et puis on vend en détail. Donc c'est le projet que moi, j'ai, que je nourris depuis un certain moment. Voilà, et j'ai commencé même à économiser un peu, pour pouvoir donner jour à ce projet-là. Donc j'aimerais profiter de l'occasion aussi, de ma situation, pour lancer, pour inviter toute la jeunesse ivoirienne en général, et en particulier toute la jeunesse africaine, de vraiment penser à économiser, certes économiser, mais économiser pour investir dans un projet. Parce qu'on peut économiser pour faire plein de choses, économiser pour aller faire le show, comme on a l'habitude de le dire, économiser pour s'acheter des habits. Mais de nos jours, c'est pas évident de mettre tout ça dans quelque chose qui va pas te rapporter. Donc j'aimerais vraiment inviter mes frères et sœurs à économiser et à investir dans le projet. Voilà. Donc c'est l'appel que c'est très important, parce que nous voyons maintenant que la vie est dure. On n'a même pas besoin de dire, mais c'est ça, la vie est dure. Voilà. Alors, là, on voit la preuve en est que nous avons des frères même qui sont obligés de quitter le pays, qui sont en Libye, subissent des choses. Donc franchement, c'est pas ça la solution. La solution, c'est ici même. Tu peux arriver à cotiser, si tu touches quelque chose, à cotiser un peu, et puis investir dans quelque chose, encore diversifier. Peut-être que tu as la foi, tu t'appliques, quoi. Ça va sortir. Donc, c'est le message que j'avais à véhiculer cet après-midi. Je vous remercie.